Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul déco, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Surtout dites-moi si vous voulez en voir d'autres, donc n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, comme ça je pourrai voir si c'est des vidéos que vous voulez voir prochainement sur la chaîne. Je vais vous montrer du pilou-pilou, parce que c'est la saison, enfin en tout cas moi, pour moi c'est déjà la saison chez moi. Je vais vous montrer donc des coussins, je vais vous montrer des plaids, des draps, aussi des cadres, et aussi d'autres petites choses. Donc c'est parti, je vais commencer par ce qui me prend le plus de place autour de moi, comme ça me prend un petit peu de place, et ce sera des coussins de chez Primark, et ils sont trop jolis. Donc ici c'est un ensemble de deux, ils sont tout blancs et ils sont tout doux, il y a un espèce de motif en relief, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un petit, comme un petit éventail, un petit coquillage ou des petites écailles, c'est très 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 joli, ils sont super super d'où je les aime trop. Je les ai payés 9€ pour les deux. Ils viennent du Primark de Barcelone. Voilà, comme ça vous savez tout. En tout cas, c'est très joli. Et voilà, ils sont très simples et ils iront dans mon salon. Donc voilà pour ça. Et il y avait aussi autre chose que j'avais acheté, cette petite lightbox. Alors, c'est une toute petite lightbox parce que j'en voulais une petite. J'en voulais pas une grande. J'ai pas mis de pile encore dedans. Je vous montrerai ça en gros plan avec des piles. Et voilà, ça fera très joli. J'aime pas trop, moi, les grosses, grosses lightbox. Voilà, moi, je préfère les petites comme ça. Donc elle est toute mignonne, chez Primark aussi, et si je me trompe pas je l'ai payé 6€, et je crois que les grandes elles étaient à 12€. Tu veux venir? Bon allez viens. Oh là là mon bébé. Ah oui, il fait du bruit. Désolée s'il y a un petit peu de bruit autour de moi, ça fait un peu comme des ronflements, des bruits un peu bizarres, bah, c'est lui. Je reviens à mes moutons. Gémeaux a sorti une collection déco. D'abord ce coussin, je l'ai pas encore déballé, vous voyez il est un petit peu serré encore. Petit coussin très mignon avec des petites formes. Derrière, il est tout blanc. Et celui-ci, il est à 5,99€. Et le voilà. Il est trop cute. Voilà. Petit coussin très mignon. Et dans la même couleur, il y avait aussi cet ensemble ici de cadres qui coûte 9,99€. Et voilà. Voilà. J'aime beaucoup. C'est très mignon. Je pense que ça ira dans la chambre de mon fils. Je suis en train de faire, de refaire leur chambre à tous les deux. Voilà, ça me perd pas mal de travail, prendre beaucoup de temps, et j'adore faire ça. Et eux, ils seront super contents. Donc je pense que ça ira dans une des chambres. Si c'est pas le cas, ça ira sûrement dans mon salon. Voilà. Et autre petite chose de chez Gémeaux, c'est la dernière, c'est un plaid. Et voilà, un plaid tout pilou pilou. Il est tellement doux, il est gris, voilà, il est tout simple. Il est à 16€, il est à 15,99€. Voilà, il est assez grand hein, quand même. Hein. Il y a un côté qui est pilou pilou et l'autre côté qui est polaire. Voilà, tout simple. Un joli plaid. Voilà pour chez Gémeaux. J'ai fait une commande chez H&M Home et à part ce petit photophore qui est tout mignon, qui fait un petit peu ancien je trouve avec le petit contour doré. Et sinon, à part ça, donc ça ce sera pour mon salon. Et sinon, à part ça, tout le reste c'est pour les garçons. Donc j'ai pris des gobelets, voilà, une petite panoplie gobelets, serviettes en papier et assiettes en papier. Pour un goûter d'anniversaire, parce que nous on a un des deux anniversaires des garçons qui tombe maintenant, donc du coup en général on fait une fête sur le thème d'Halloween. Et si c'est pas le cas, ben, on gardera pour un autre événement, un autre goûter. Et à part ça, j'ai pris aussi cette housse de coussin. Voilà, une petite housse de coussin avec écrit Dream Big Little One. Voilà, je trouve ça trop chou. Ça ira parfaitement avec le coussin, comme vous pourrez le voir. Voilà. C'est nickel avec les petites écritures dorées avec les paillettes. C'est trop chou. Pour les garçons toujours, j'ai pris des ensembles qui font housse de coussin et housse de couette. C'est du 150 par 200 et voilà, celui-ci il est gris anthracite. Je vais pas le déballer maintenant parce que ça sert à rien, je vous montrerai pas vraiment à quoi ça ressemble. Donc je vais vous montrer aussi l'autre. C'est exactement pareil mais il est gris clair. Voilà. C'est très très simple. C'en est tout pour H&M Home, je vais passer maintenant au reste et d'abord à des petites lettres, enfin petites, non elles sont pas petites du tout même, elles font 25 cm des lettres de chez Créavea. Et donc j'ai le S là, je vous le montrerai quand je l'aurai accroché dans mon fond puisque il va aller dans le fond ici, je sais pas encore trop comment. J'ai pris aussi le J, voilà Séverine Jenny. Voilà, il ira, je ne sais pas comment, je verrai ce que ça donne. Je mettrai aussi des piles, hein. C'est avec des piles, vous verrez mieux, puisque ce sont des lettres lumineuses quand même. Hein. Et j'ai une dernière lettre aussi, que je vais vous montrer, qui n'est pas de la même couleur, parce qu'ici c'est un métal, je crois qu'ils appellent ça vintage. Et voilà, ici le hashtag, et Jack est de retour.
que vous pouvez personnaliser. Voilà, on peut personnaliser le fond et je pense que c'est ce que je ferai. J'ai cassé la boîte. Il y a des petites LED qui sont à part et il n'y a plus qu'à customiser tout ça. Je pense qu'on le fera ensemble. Voilà. Je voulais vous parler d'autre chose. Ce sont des cadres que j'ai achetés chez Carrefour. Et en fait, c'est un super bon plan d'aller du côté de la déco et Jackson fait toujours autant de bruit. Je vous disais que chez Carrefour, vous pouviez trouver des petites affaires, des bons plans. Désolée pour le bruit de Jackson, hein, il fait un peu de bruit. Et donc, je vous disais que chez Carrefour, dans le coin déco, des petites affaires à chercher, à fouiller un petit peu, eh ben, il y a souvent des petites choses, pas chères du tout. Pour ma chambre à moi, à nous, j'ai pris ces petits cadres et je pense que vous verrez rien du tout, donc je vais les déballer. Ce sont des cadres que moi j'ai payé 1 euro chacun. Super cool. Et je vous montrerai bien sûr des gros plans. Et ici en fait ça fait un peu comme des volets. J'aime beaucoup ça. Voilà, un relief. Donc celui-ci couleur bois. Et celui-ci donc bleu pétrole avec toujours le même motif. C'est exactement le même, 1 euro aussi. Donc voilà, très contente. Parce qu'ici c'est pour les garçons, pour leur chambre. Donc celui-ci est bois. Mais gris devant, voilà, un gris anthracite qui est un peu brillant. Donc celui-ci 2 euros et celui-ci il est bleu roi. Mais par contre, tout le contour et tout l'intérieur ici, c'est argenté. Voilà, c'est couleur métal, voilà, c'est brillant et celui-ci 1 euro. J'en ai pris deux autres aussi pour les garçons. Donc ici ce sont deux grands cadres, 2 euros ceux-là. Et je voulais vous montrer aussi une petite cagette que j'ai trouvé, je l'ai posé par terre, donc une petite cagette que j'ai trouvée chez Babou, voilà, je l'ai trouvée trop cute, je l'ai payée 4 euros, et voilà, ce sera parfait pour la déco d'automne, ou d'hiver, ou de toute l'année, parce que moi de toute façon le bois j'adore ça. C'est ici que se termine ma vidéo haul, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et si vous voulez voir d'autres vidéos haul sur la chaîne, donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres, si vous avez aussi d'autres idées que vous voulez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai le plus de liens possible que j'arrive à retrouver, que ce soit la nouvelle collection déco de chez Gémeaux ou les articles de chez H&M ou ceux de chez Créavert. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !